Salut les mordus, aujourd'hui on va au Brochet, en petit milieu, sur les launes et les contre-launes du Rhône. Au leurre, avec des petits leurres, voilà, donc avec une canne de 10-30 grammes, assez courte, 2,10 m, pour pouvoir lancer sous les branches, sous les frondaisons, en étant assez discret et en étant précis dans les lancers. Allez, on va aller voir ça de plus près, là il fait beau. Les températures sont redescendues, donc ça devrait jouer en notre faveur. À tout de suite. Alors pour commencer, on va utiliser donc un petit shad coloris naturel monté sur Texan à palette. Voilà, donc pas très grand pour que ça fasse moins de bruit en tombant dans l'eau. Et les vibrations, ben, vu qu'il fait assez sombre, c'est le matin, les vibrations et les scintillements de la palette vont avoir un intérêt particulier. Pour ce qui est du bas de ligne, du coup, ben, je prends du 90 centièmes en fluorocarbone sur à peu près 60 cm. Et ensuite, on a une pointe de discrétion, donc en nylon, du nylon qui coule, élastique, celui-là c'est du 45 centièmes. Voilà, et le tout est raccordé à de la tresse en 21 kg, en 8 brins, et avec un nœud FG, de façon à ce que le nœud de raccord passe dans les anneaux. Ce qui est important dans ce genre de milieu, c'est d'avoir une nage quand même assez lente et planante en même temps. Donc pour ça, on ne va pas ramener trop rapidement. Si vous ramenez trop rapidement, le leurre il va monter en surface, on pêche dans 80 cm d'eau. Donc c'est pas la peine de laisser le leurre trop en surface en ramenant trop rapidement. Voilà donc typiquement les milieux que je pêche, les petites launes du Rhône. Donc c'est pour ça que voilà, la canne courte est indispensable, c'est hyper encombré. L'hameçon texan pareil, on ne peut pas s'en passer, ou alors très difficilement selon les spots. Et voilà pour ces quelques bons conseils de guide pour aborder les milieux comme les launes du Rhône. Une nage planante, des montages solides pour pouvoir brider les poissons. Et si vous voulez découvrir comment les approcher à la mouche, eh bien je vous invite à cliquer sur la vignette qui s'affiche sur votre écran. A plus les mordus.